C'est bien, ça commence n'importe quoi. Bon, on s'intéresse aujourd'hui au Protect-Cart. Ouais. C'est ça, hein, Caroline, c'est destiné à protéger... Mais c'est pour vous que je ralentis le débit, forcément. Je ne m'en fouille pas, Hubert, c'est pour toi. Ça sert à protéger nos cartes. Oui, nos cartes bancaires, parce qu'aujourd'hui, il est impossible de se passer de sa carte bancaire. On l'emploie aussi bien pour payer un pain que les courses de la semaine ou un resto. Bref, on est nombreux à l'utiliser plusieurs fois par jour. Et quand on perd sa carte... Il faut quand même signaler qu'en matière de perte de carte bancaire, il y a beaucoup plus d'oubli que de vol. Quand on la perd, qu'est-ce qu'on fait? On appelle immédiatement CardStop. D'abord, il y a plein de gros mots qui vous passent par la bouche parce qu'elle s'est fait avaler par le distributeur, par exemple. Effectivement. Mais on commence par appeler évidemment CardStop au 070 344 344. Après, il faut aller à la banque, donc il y a quelques tracasseries administratives, recevoir une carte provisoire, attendre la nouvelle carte. Bref, c'est le genre d'expérience dont on se passe aisément en général. Et fort de ce constat, il y a deux entrepreneurs qui ont mis au point ce petit boîtier qui s'appelle ProtectCard et qui sert à protéger la carte bancaire. Alors, comment ça marche? On a tous envie de le savoir et on va regarder le reportage de Lucie Dendoven. Besoin de liquidité, un passage par le bon contact pour se réapprovisionner. Mais sans carte, c'est un problème. Nous sommes des milliers tous les jours à commettre ce genre d'oubli. De quoi inspirer quelques astucieux qui ont imaginé un étui connecté. Nous décidons de rencontrer ces concepteurs. Le ProtectCard est un porte-carte électronique intelligent. Il est composé de détecteurs, un détecteur d'absence de la carte, un détecteur d'éloignement de la carte. Il est relié à votre téléphone grâce à une application et ça communique en Bluetooth. Mais comment ça marche pratiquement? Patrick, le mieux, c'est qu'elle l'utilise. Effectivement. Voilà, j'ai une carte, on va l'essayer. Et on verra bien si ça fonctionne ou pas. Première étape, connecter l'étui au smartphone. Ma carte bancaire a désormais sa laisse électronique. Quelques jours plus tard, j'effectue quelques virements bancaires à domicile. Comme je n'ai pas de liquidité, je décide de retourner à la banque. Et voilà, ma ProtectCard m'a averti et évité un aller-retour inutile à ma banque. Elle ne s'enclenche pas seulement lorsque la carte est hors de son étui. Si vous oubliez votre sac avec votre portefeuille, au bout de quelques minutes à peine, la sonnerie d'alerte s'enclenche. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a plus de, en Belgique, 1 million de cartes bancaires chaque année qui sont perdues, oubliées ou volées. Et 80%, c'est justement un oubli. Et donc la personne, pensant qu'on lui a volé sa carte, va faire une opposition, je dirais, inutile. Elle va être obligée ensuite d'attendre 2, 3, 4 jours pour recevoir sa carte. L'étui nous évite donc beaucoup d'ennuis et de contretemps. Sa durée d'autonomie est longue, près de 6 mois. Pour le recharger, rien de plus simple. Il suffit simplement d'avoir un PC portable et de mettre uniquement dans un slot USB la carte et elle va se recharger automatiquement. Dernier scénario possible, votre portefeuille et votre smartphone reposent au fond de votre sac pendant que vous piquez un roupillon dans un parc. Ici, pas d'échappatoire. C'est qu'on n'a pas encore inventé l'assurance tout risque, l'avertisseur, anti-étourderie. Caroline, est-ce qu'on peut rappeler le prix de ce boîtier? C'est 49 euros. Il est à commander sur le site protectcard.com. Alors...